On se réveille avec de très très belles éclaircies ce matin, par exemple dans la région de Valenciennes, et ce sera le cas tout au long de la journée. Vous garderez ce ciel bien dégagé, seulement un petit peu plus de nuages sur une large bande s'étendant de l'Aquitaine vers la Gironde, vers la Charente-Maritime. Des nuages qui s'étendront en cours de journée jusqu'au département savoyard avec quelques gouttes possibles. Ailleurs, un ciel qui restera lumineux, y compris près des littoraux méditerranéens. Du vent qui va légèrement se renforcer cet après-midi, notamment vers le Finistère avec des rafales jusqu'à 50 km/h. En ce qui concerne vos températures, c'est toujours frais ce matin. Si vous allez depuis la pointe bretonne jusqu'à Dijon et même jusqu'à Metz, des températures négatives. Le froid qui s'engouffre même jusqu'à Limoges, voire Clermont-Ferrand, et ce sera le cas tout au long de la journée, avec à peine dans ces régions des températures de 5 à 7 degrés. Vers le Grand Est, toujours légèrement positif, alors que c'est vraiment très très doux sur le Sud-Ouest, comme par exemple à Bayonne, où vous aurez jusqu'à 19 degrés aujourd'hui. Attention, le temps se gâtera à partir de ce soir, avec des départements en vigilance orange. 18 départements en vigilance orange dans un premier temps, de la Manche jusqu'aux Terres de Belfort. À partir de minuit, 36 départements en vigilance orange, neige, verglas, 2 pour les pluies et les inondations sur la pointe bretonne, Finistère, Morbihan, où les pluies vont s'intensifier demain dans le courant de la journée. Demain aux premières heures, quelques flocons sur le nord de la Picardie. Ces pluies verglaçantes finiront par s'étendre vers l'Auvergne, vers les Alpes. En fin de journée, la neige tiendra, y compris dans le bassin méditerranéen, de 3 à 5 cm de neige. Neige qui continuera à s'accumuler sur le sud, et ce tout au long de la journée de jeudi.